Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer un what the fuck, mais pas sur un produit exceptionnel, mais sur un produit que moi j'ai acheté, puisque vous le savez, j'achète tout ce qui est produit que je teste. Donc en général ils sont pour moi, et là vous le voyez derrière, vous avez là-haut ma lampe Star Wars que j'avais testée, mes Lego Star Wars. Là il y a des figurines Dragon Ball Z, des figurines de manga, mon petit Wally. Et je me fais rarement avoir. En général, voilà, les Chinois vendent des produits, bon, ils sont de plus ou moins bonne qualité, mais ça peut aller. Donc là, je vais commander deux Funko chez deux vendeurs différents. Alors, j'ai reçu la première, Sylvanas, qui, ma foi, s'est bien réussi. Et la deuxième, j'ai reçu un Mr. Jack. Et donc, vous rêvez pas, c'est pas un effet de la caméra, c'est qu'il est vert. Normalement, il devait être blanc. Là, je vous mets la photo. Et à la place, j'ai reçu un Mr. Jack vert. En plus, dessous, il est mal fixé. Vous le voyez là. Voilà, la tête a été mal enfoncée. Et c'est pas qu'il est vert phosphorescent, parce que dans le noir, vous voyez rien du tout. C'est qu'il est peint en vert. Donc, j'ai pas fait gaffe aux évaluations du vendeur. Et c'est quand je l'ai noté négativement, moi, que j'ai vu que d'autres personnes avaient dit qu'il était vert. Je vous mets la photo de ces évaluations, là. Donc voilà, ça arrive rarement, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis 100% honnête et je suis pas sponsorisé par AliExpress, Gearbest ou même Amazon. Donc ça arrive rarement, mais faites quand même bien gaffe aux évaluations des vendeurs. Parce que là, pour le coup, je suis assez dégoûté, quoi. Un Mr. Jack vert, ça va pas me servir à grand chose. Donc il va falloir que j'en trouve un vrai ou que je trouve un autre vendeur qui me vende un blanc. Et en plus, c'est marrant parce que là, je vous regarde et la tête est transparente, mais la partie ronde dessous, qui est du même vert, est opaque. Donc voilà, c'est... C'est what the fuck ce que j'ai reçu, quoi. C'est assez horrible quand même. Du coup, j'en profite aussi pour vous remercier, puisque j'ai vu que maintenant on est 104 ou 106 sur la chaîne. Donc j'avais pas eu l'occasion de faire une vidéo pour les 100 abonnés. La prochaine, maintenant, ça sera à 500. Donc je vous remercie d'être fidèle sur les vidéos. Là, vous avez dû le voir, j'ai pris un peu de retard. C'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé pour Noël. Et comme j'ai plus 20 ans, je me suis fait une... Comment on appelle ça? Une sciatique. Donc je peux difficilement me mettre sur le plan de travail pour faire des vidéos un peu longues. Et du coup, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo goodies de Noël et j'ai vu que j'avais oublié celle-là de goodies. You would make a good Dalek. Exterminate, exterminate. C'est un Dalek Doctor Who que j'avais acheté. Donc il faudrait que je fasse vite une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer quelques goodies spéciales Doctor Who. Peut-être que je vous remettrai la tirelire bleue que j'avais. C'est quand j'ai fini la vidéo, j'ai fait mince, j'ai oublié. J'attends toujours de nos amis chinois une Porsche, je crois, une Ferrari compatible Lego, façon Lego Technique. Et là, je vais vous filmer une autre vidéo sur une petite pelleteuse Lego Technique que j'ai assemblée hier. Et que vous retrouverez donc sur la vidéo qui va paraître juste après celle-là. Donc voilà, je serai un peu plus présent après Noël, mais là, c'est vrai qu'avec la période de Noël qui s'approche, j'ai pas mal de travail à faire pour mes clients, moi aussi. Donc je pourrais faire moins de vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas, mais c'est juste que là, la période n'est pas très propice pour moi pour faire des vidéos. Travail, plus mal de dos, mais dès que je peux, là, je me remets à fond dedans. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !